Coucou, Gladys, bonsoir. Comment vas-tu? Bienvenue dans ce direct. Merci de partager, de m'aider à partager le direct, s'il vous plaît. J'espère que tu vas bien, que ta journée a été. Bon, ça va, super bien. Je suis en train de faire les partages. Donc voilà pourquoi j'ai la tête baissée. Coucou maman Léo d'amour, maman Mouna, ma mère à moi, oh, le goût de ça. La mère de quelqu'un, oh. Maman Léo, comment vas-tu, ma mère chérie? Comment vas-tu? Comment a été la journée, maman? Comment a été la journée, mamie? Aidez-moi à partager le direct, please. De me partager le live. Ça qui est ça. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que ça va? Comment a été la journée? Moi, c'est vendredi. J'ai bien bossé, sauf que la fatigue est un peu. Hein. Vraiment, je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée. Vous voyez, j'ai des yeux tout petits. Bon, c'est vrai que j'ai pas des grands yeux à la base. Mais là, voilà quoi. On partage le live, s'il vous plaît. Et après, on va lancer notre direct au calme. Comme d'hab. On va taguer des personnes. Essayez de taguer des personnes que vous connaissez pour qu'ils puissent atterrir dans le live. Que tout le monde vienne dans ce direct. On partage, on partage, on partage, s'il vous plaît, mes amis. Partageons. Les partages, c'est important. Oh. It is important. C'est important de partager. Oh. De taguer aussi. C'est important les partages. C'est important de partager. On va chauffer un peu notre salle comme d'habitude. Vous savez que moi, je mets toujours la musique. Donc, on va écouter un peu Elvis Kamayo. Moi, de te rencontrer enfin. Et voilà quoi. Moi, je suis, vous savez, hein, je suis open. Ça me fera énormément plaisir d'être du côté de Lyon et de rencontrer les followers, les fans. Vous voyez, c'est très important aussi cela. Il faut le dire. Et de Donc, rencontrer. On va essayer de partager notre. Merci d'avoir partagé le direct. Merci à tous ceux-là qui mettent des cœurs. On essaie de taguer le maximum de personnes aussi pour faire venir du monde dans le live. Voilà. Merci, maman Léo. Merci, ma mère chérie. Merci. Je suis belle comme toi, non, maman. Tu vois, quand tu m'envoies les photos là, comment tu dis? Hein, maman? Je suis belle comme toi. Maman Léo, tag Elsa Chou. Tu tagues, s'il te plaît, tu tagues Corinne. On essaie de taguer au maximum, on essaye, on tague, on tague, on tague. Le sujet de ce soir, on dit que le vendredi, tout est permis. Donc ce soir, on va se permettre de parler de la sexualité. On ne va pas se gêner parce que c'est un moment de plaisir. Et quand qui dit moment de plaisir, dit justement
Oui, merci Sarah, merci. S'il te plaît, tu vois les pouces qui sont près du pouce, le pouce bleu. C'est important qu'on mette les j'aime par là. C'est aussi important qu'on aille tapoter de ce côté-là. Vous voyez? Merci de targuer. Ouais, comment? C'est la Black Beauty. Aujourd'hui, là, nous ne sommes plus, nous sommes les beauty de valeur. Donc, les beauty de valeur doivent être dans ce live. Oui, vous devez être là. On doit parler. Vous savez, non? Donc, quand on est en live comme ça, là, oui, on doit parler. C'est ça qui est ça. Alors, ce soir, je n'ai pas assez les unités. Hé, mamie, tu vas pas me faire ça, oh. Tu vas pas me faire ça, oh. Tu vas pas me faire ça, oh. Hé, Seigneur. Tu vas pas me faire ça, oh. Bref. Ce soir, on va parler de la sexualité. Oui, un moment de mouvance. Le moment où les gens s'attrapent, les gens se mettent bien, on se met bien. On essaye de, voilà, de se réjouir, on essaye d'oublier tout le stress parfois de la journée, le stress de la semaine. On se dit que, gars, le tout, si là, c'est un tout. Donc, vraiment, ensemble, allons seulement, on continue, on va sauf que ce, voilà, on va se faire ça. Voilà, c'est ça. Alors, pour ou contre? Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas le matin. Il y a des gens qui te disent que moi, quand je suis le matin, là, ça me met de bonne humeur, comme Sarah l'a écrit. Hein. Non, ce n'est pas Sarah qui a écrit. Hein. C'est... Qui a écrit ça tout à l'heure? Elle est partie. Oh. C'est Gladys, je crois. Hein. C'est Gladys qui a écrit tout à l'heure que moi, le matin, ça me met de bonne humeur. Mais qui est-ce que... Qui n'aime pas le matin, qui n'aime pas, qui n'est pas d'accord. Toujours est-il, on a quand même quelques personnes qui sont réticentes à ça le matin. Ma Zazie, jour d'amour, bienvenue, tu fais ton entrée chez toi. Oui, prends place, maman. Assieds-toi dans la maison. Assieds-toi chez toi. C'est ça qui est ça. C'est la famille. La famille ne se divise pas, ça ne chauffe pas. Donc, je disais tantôt que. Qui ne peut pas se sentir à l'aise avec? Mais malheureusement, on va aussi constater qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop fans de la sexualité le matin. Aujourd'hui, je parlais avec une de mes collègues. Je lui ai posé un peu la question comme ça. Elle m'a dit non, mais moi, le matin, franchement, je dois sortir, je dois fournir des efforts au travail. Et encore, il faudrait que ma chère, le matin, me bouscule tout ça. J'ai dit, eh bien, dis donc. Après, c'est ce qu'elle elle a dit. Donc, elle n'était pas tout à fait d'accord avec le fait d'avoir des rapports le matin avant de sortir de la maison. Par contre, moi particulièrement, je suis une personne que quand on est en amour, on n'a pas à se priver. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que quand on aime quelqu'un et qu'on a l'attirance pour un homme, pour son partenaire, pour son partenaire, on n'a pas à se priver. Donc, ça veut dire qu'à tout moment où ça vous prend, vous faites, vous vous mettez bien. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas un problème avec ça. Et c'est un moment du matin. Oui, je suis aussi du matin. Moi, je rejoins ceux qui sont du matin parce que le matin, parfois, c'est détendu. C'est-à-dire que c'est un petit coup, mais un petit coup, voilà quoi, qui est un peu, qui te détend, qui n'est pas brut. Comme quand tu le fais, par exemple, en temps normal, ou la nuit, ou un truc comme ça, mais c'est juste un petit coup du matin. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ah, Zazie, je vous dis qu'elle préfère le soir au coucher. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont pour ou contre. C'est pas tout le monde qui aime ça le matin. Pourquoi certaines personnes, ça leur fatigue, mais d'autres, le matin, eux, ils se trouvent... D'autres le matin, oui, moi je suis coquine. Le matin, ils se trouvent plus en joie. C'est-à-dire, vous voyez souvent, il y a des femmes que avant, il y a des femmes souvent, on arrive dans les bureaux. Tu vois une gars le matin comme ça, elle a pourtant quelqu'une qui est toujours stressée, mon frère. Mais elle arrive au travail comme ça, elle a le sourire jusqu'ici. Pourquoi? Parce que la nuit là, ou le matin là, on a un peu titillé comme ça là. Donc elle a ressenti quelque chose qui est passé sur elle, ça lui a fait du bien. Quand elle va prendre sa douche, elle chante dans la salle de bain. Elle arrive même souvent au travail comme ça. Là. Elle fait même les heures en caisse. Elle fait même les heures au boulot qu'elle le gère. Elle est toujours dans les vagues, dans les nuages que maman est.
Le matin, c'était un autre matin. Ce n'était pas un matin comme les autres. Donc, vous comprenez que chacun a son truc. Chacun a son moment. Il y a des gens, je vous jure qu'ils aiment que le matin. Le soir, comme ça, ils se disent que ça leur fatigue. Mais pourtant, quelqu'un va te dire que, mais le soir, parce qu'elle va rentrer le soir du travail. Quelqu'un va te dire que moi, je vais rentrer le soir du travail, je serai fatiguée, je vais faire manger. Après, il faut que je me pose. La nuit, on vient encore. Ah, voilà. Il y a Gladys qui dit que moi, j'aime à tout moment, moi. Sauf que le matin, c'est difficile car nos oreilles sont très décalées. Voilà, ça dépend. Ça peut être, pour certaines personnes, elle dit que Zazie, le matin aussi, ça dépend à l'heure. Les histoires de 4 heures du matin, elle dit qu'est. Comment ça, les histoires de 4 heures du matin, tu n'es pas sur ça, Zazie Jou? Mais Zazie Jou, je vais te dire un truc. Quand moi, je travaillais de nuit, hey, ma soeur, à un niveau comme ça, là, j'étais tant, ça m'énervait. Ça m'énervait de partir walk en hiver, ma mère. Parce que tu go walk en hiver, mettez les cœurs. Maman, tu go walk en hiver à 3 heures. Là où ton gars va te serrer, maman, tu es là, tu es debout, que tu vas aller travailler. Qu'à 4h30, tu dois être en poste. Hé, hey, Adama, c'était le travail de quoi que je cherchais. C'était l'argent de quoi que je cherchais à l'heure, là. Maman, le matin comme ça, là, tu sens que le gars est tendu comme la tour Eiffel. Mais il ne peut pas parce qu'il sent que le tout, sinon l'engagement, il n'est pas disponible. Donc, c'est pour te dire qu'il y a les cours du matin qui font du bien. Zazie, essaye un peu les cours de 4 heures du matin. Toi aussi. Il faut essayer. Ou bien, essaye un peu. Essaye un peu les 4 heures du matin. Tu vas dire que, hey. Mais ce n'est pas la brutalité. Hein, parce que celui du matin est différent de celui du soir. Celui du soir, on est un peu dans la brutalité, on peut un peu faire des gens. Oh, le matin, là, c'est dans le calme. Coucou! Je te dis, Lindness, bonsoir Sophie, bonsoir ma tata, bienvenue dans ce direct, bienvenue à toi. On accueille les abeilles, on accueille la famille, on accueille les sympathisants chez nous. Oui, quand le monde arrive, on accueille. Je dis que le matin, là, quand ton gars te touche le matin, ce n'est pas comme le soir. Le soir, c'est un peu... Il y a un peu... Oh, tu vois, un ponti. On dit que, bon, chéri, gars, on prend même tes cheveux comme ça, on prend ça un peu derrière comme ça, là, le gars tient ça comme ça, là, il te fracasse. Pourtant, le matin, c'est dans la douceur, hein. Le tempo de sa maman. Les petites caresses passées, les petites mignons de ça. Tu entends l'autre, le pied de l'autre commence à toucher le pied de l'autre. Ouais, Adama. Non, je suis mon fan. Ouais, mais Dieu, tu allais me tuer. Moi, j'aime à tout moment, hein, quand je me sens bien, quand je suis attirée. Mais, le matin, maman, oh, quand tu aimes, je dis que le gars, il te frôle un peu le pied comme ça. Et tu sais que nous, les femmes, nous avons une position souvent qu'on tient dans le lit, non? Vous connaissez la position que quand l'anga se couche comme ça sur le ventre, et puis il y a un pied qui est tendu et l'autre qui est un peu plié. Ah, oh, 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 oh. Et puis elle fait genre, mamma mia. Le gars, il va faire genre comme s'il ne te voit pas, mais dès qu'il te flotte, maman, surtout quand tu aimes ton gars et que ton gars t'aime. Boum, boum, maman, hé, hey, le goût de ça, tata, le goût de ça, le décalage de ça, mais le démarrage en cause de ça. Tu parles de quoi, maman? La position là, il n'y a aucun gars qui résiste ça. Quand une femme se couche dans le lit, elle se mène là, le ventre, sur le ventre. Un pied tendu, l'autre un peu, elle n'est pas, elle à moitié, maman pliée, voilà. Mais, quand le gars se regarde, il me dit que, hey, tu veux commencer à toucher un peu, il te frôle un peu le pied, il te frôle un peu le pied. Ah, Kazazi, je laisse que le sommeil, ton sommeil est prêt quoi, laisse ça. Maman, quand tu finis souvent le cours du matin, là, si tu ne pars pas travailler, c'est là alors où c'est la magie. Le sommeil que tu vas dormir, maman. Oh non, tu ne dors pas tout de suite. Quand tu finis le cours du matin, là. Hein? Quand tu bolles ton cours du matin, là. Tu ne dors pas tout de suite, ma mère. Partager le live et taguer tout le monde, dis donc. Le sujet, c'est là, non. Les femmes vont venir ici nous dire ce qu'elles aiment. Vous aimez le soir, vous aimez le matin. Venez ici nous dire ça.
Les positions rocambolesques qu'on vous fait, ou c'est les accoudoirs, ou c'est les bananas, ou c'est les positions de machine à laver, ou c'est quoi, quoi, quoi. Nous sommes qu'ici ce soir. Le vendredi, ça, tout est permis. Je dis comment, quand tu bolles le matin, tu fais un bon petit déjeuner. Oh! Une petite montagne derrière. Oh, la bosse, maman! La bosse de ça! Même si tu n'as pas la bosse, il y a les positions que quand tu fais. Même si le gars, là, même s'il dort, il va faire semblant de dormir. Alors là, tu commences à te coller seulement sur lui comme ça. Là, tu te recules. Tu te recules. Il sent seulement ta chaleur. Il dit qu'il l'angassi, là, il est en train de me chercher. Après, toi, tu fais comme si tu ne le calcules pas. C'est lui maintenant qui tient son pied, commence à te cafouiller dans le lit avec. Welcome. Adam, on peut faire ça à la fin de quelqu'un. On peut faire ça. Il dit que Zazie joue. Quand tu termines la partie là. Il dit que quand tu termines, tu prends le. Tu te lèves, tu go faire un bon petit déjeuner au gars. Il mange un tout petit truc, pas un truc lourd, pas les gros assiettes, les œufs, les choses. Tu fais un petit truc léger, une petite tasse, un petit café avec un petit, peut-être, je ne sais pas s'il y a les biscottes. Maman, dès qu'il finit encore de manger, il te masse le corps. Oh, ouais, Seigneur, Wombo, bonsoir Sandrino, Adama. Wombo, Gladys qui est réveillée avec le micro. Ouais, maman. Hey, Gladys, tu es dangereuse. Maman, comment tu veux que le gars la dorme? Il ne va pas dormir. Ça veut dire que Gladys, tu as fini avec lui. Quand Joe dort, tu descends le micro. Hey, Adama. Maman, tu entends seulement le comment? Maman, le corps, il commence seulement à tourner comme ça, là, il tourne, tu sais qu'il y a. Maman, après, il te récupère, que me chérie, hein, merde. Tu dis que non, bébé, non, on va pas aller vite, c'est tout doucement, tout doux. Le coup du matin, là, quand c'est doux, dans la douceur de sa messe. Maman, ça tape que ici, derrière, tant, tu te lèves. Après ça, tu es content, tu vas faire le petit déjeuner à ton gars, tu reviens, il te remasse. Pas que te masse, que là, il est qu'il te masse, il masse bien ton corps. Après, il te redonne encore un léger, le dos tourné, maman. Ouh, le sommeil de ça, tu dors maintenant. Zazie joue, essaye. Tu as compris ce que je dis, non? Essaye. Arrête de dire que tu es que du soir. Le soir, c'est trop. Parfois, le soir, même il y a les enfants. Parfois, même si vous avez deux chambres, parfois, même trois chambres, là, parfois, le soir, même. Ça n'a pas le même goût. Il dit, je dormais. Je lui dis, dors alors. Il dit, non, je vais dormir après. Tu as vu? C'est la partie là. Il dit qu'il va dormir après. Mais lui, il va dormir après. Parce qu'à l'heure là, tu fais qu'il monte à un niveau où il arrive. Puis il n'a plus le contrôle, maman, le micro. Tu chantes au micro le matin. Ah! Wadundaf. Mais c'est pas moi qui décide de la blague. Je préfère le soir, mais c'est pas moi qui décide de la blague. Qui décide, Zazie? Qui décide? Quand il y a la fusion entre deux personnes, maman, que ce soit le matin, à midi, le soir, à toute heure, maman, vous partez seulement. Bon, maintenant, après, comme Dali disait, quand on est décalé, c'est deux choses différentes. Parce qu'il y a des couples où l'autre travaille le soir, l'autre travaille le matin. Il y a des couples où les deux, vous voyez, vous n'arrivez pas à vous concorder. Mais généralement, quand les deux ont un programme, par exemple, où ils sortent tout ensemble le matin, donc ils dorment dans la nuit, ils se couchent tous les jours dans le même lit. Hey, Adam, le goût de ça. Le goût de ça. Pour des personnes qui n'aiment pas, ça peut arriver. Justement, voilà pourquoi il est conseillé de parler avec son partenaire. Il est conseillé de s'expliquer là-dessus et de voir un peu la tendance. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment vraiment pas être perturbés dans leur sommeil. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui dorment et qui se disent que non, moi, c'est mon temps de repos. Je ne joue pas avec mon temps de repos. Mais il y a des personnes que, bon, voilà,
Je doute fort quand même que quand tu y as un Joe, mon frère, que le Joe là te touche, tu ne réagis pas. C'est pas possible. Quand il y a la fusion, il y a des gens qui ne sait, qui a les couples, que c'est juste la Touma là qui les réduit comme ça. Oh. Mm-hmm. Qu'il y a un problème, l'autre attend seulement que je t'attends. Il connaît ton heure. Je connais. La personne te récupère. Toi-même, tu es dedans. Et ça, ça m'a mettait les cœurs, mes bébés, pardon. Sécurisons notre petit direct, oh, mes beauty de valeur. Ça ne ment pas. Ouais, les enfants, c'est là. Toujours en train de venir sonner dans la maison. Seigneur, il y a beaucoup souffrance. Il y a beaucoup eu la tort. Who is that? J'ai dit que mes beauty, il y a les périodes où toi-même, quand ton homme te prend comme ça, là, toi-même, tu dis que si j'avais su. Ce n'est pas le mensonge. C'est pour ça qu'il faut profiter de sa relation. Il faut pimenter sa relation. Il faut pimenter sa sexualité. Il ne faut pas dire que je vais rester là, que wow, je suis dans une histoire où je fais ce. Non! Il faut vous déplacer. Parfois, tu avais ton gars, non? Tu dis que chérie, aujourd'hui, on va aller que Nanka à l'hôtel. Même si vous êtes dans la même ville, aujourd'hui, là, c'est l'hôtel. Vous partez là-bas, non? Ce que vous ne pouvez pas faire à la maison, là. Hé, hey, Adama! Vous vous massacrez. Parce que souvent, à la maison, à cause des enfants, il y a des cris qu'on ne peut pas. Il y a la qualité des cris que tu ne peux pas faire. Oh, là-bas, là, c'est fait pour ça. Donc, c'est un lieu de border. C'est le lieu de border. Donc, tout le monde va là-bas border. Donc, quand tu arrives là-bas, tu te mets bien. C'est pas moi qui décide. Ça veut dire que quand mon gars demande le matin, je donne seulement, mais c'est pas ma préférée. Ah, ok, oui. Mais tu vas faire comment? Mon frère, tu ne donnes pas que tu as le choix. Hey, ne donne pas alors. Ne donne pas. Ne donne pas. Hey, Seigneur. Si tu ne donnes pas plus, vraiment Dieu, que ton gars, c'est quelqu'un qui est fidèle et qui est sérieux. Parce qu'il y a les gars que là, dehors, comme ça, un matin, ça tape dans sa tête comme s'il récupère une petite tête. Maman, la petite là lui fait sa propre. Elle lui donne. La petite là. Elle lui donne sa propre. Matin, comme ça, là, il se lève comme si tu dis que, hé, hey, maman. Oh, que quoi, le tout, si là, je retourne encore là-bas seulement, chérie. Changez souvent des lieux. Changez souvent les pièces. Changez souvent. C'est-à-dire que le cadre, là, c'est très important. Parfois, on change. Quand tu changes le cadre, là, tu dis que, Wombo, hé, hey, Seigneur, j'avais fait quoi et je faisais quoi ici? On doit pimenter notre truc. On doit mettre l'arôme dedans. On doit faire ce qu'il y a à faire. Mais propre. Sans se gêner. C'est sauf qu'il y a des gens que, bon, pour eux, ils trouvent un peu souvent que, ouais, ils aiment la monotonie. On va aimer, quand c'est trop la même chose, là. Quand c'est tout le temps, merci Zazijou, merci pour les étoiles, ma chérie, merci ma Jésus à moi. Quand c'est trop la monotonie, là, quand c'est toujours la même chose, j'ai vu une vidéo sur Facebook, les Chisa ont élevé le niveau. Elle organise, oui, et elle ne rigole plus, hein. Ce n'est plus les histoires qu'on disait que tu es passé, toi tu es l'engage de la maison. La tisa même, elle te fait sa propre. Elle l'organise, elle enlève mon ton Joe. Tu parles de quoi? Vous restez là, vous dormez. Girl, je suis dans la maison. Girl, c'est moi qui est dans la maison. Girl, personne ne peut venir me déclasser. Quoi? Chacun bagarre pour sa personne, maman. Aujourd'hui, non. Ce n'est plus les histoires qu'on disait que les tisa n'ont plus peur. Pas les histoires qu'on disait que oh, quand on attrape les tises, elles n'ont plus peur. Tu t'amuses toi-même, elles te tapent même dessus. Elles discutent avec toi. Elles prennent ton homme, oh, ah. Elles prennent le gars, oh, ah. Dans les filles là, non, elles sont plus que les panthères. Je ne sais même plus. Les... Je dis qu'elles savent pas le nom qu'on peut donner aux filles là. Même panthère est petit. Panthère est petit. C'est pour ça que toi, la femme, tu dois pimenter ta relation. Tous les jours, tu dois renouveler. Tu dois rénover. Pas dire que oh, je porte les cabas tous les jours. Non, un matin, il arrive comme ça, là, il te trouve seulement que tu es seulement en position d'attaque, maman. Il dit que, hey, c'est l'engagé. Tu dis que, oui, non, chérie, qu'il y a quoi?
Oh. Tu dois renouveler. C'est normal, c'est obligé. Mais sinon, on te tient à ton job. Quand il goûte dehors, là, il revient, c'est mort. Tu fais comment? Tu fais comment? Pas les gens qui ont toujours les mêmes à les positions, un genre de grand-mère là. Changer ça. Oui. Oui. On change. On change les pièces, on change le cadre, on va ailleurs. C'est très important. Sexy la magie. Il y a l'indiaki, elle ne met pas les dessous. Elle est tout le temps prête. Dans le même temps, elle a la cuisine comme ça. Là. Elle est seulement que avant ma préparée. Et elle est elle en avant. Elle dit que mon frère, c'est mon gars. Si moi je ne fais pas, qui va venir faire? Vous voulez que mon gars sorte dehors, quelqu'un prend mon job? Propre. Elles sont versées. Elles ne se gênent plus. Avant, les femmes avaient peur. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, vous ne voyez pas comment elles sont là-bas, versées là-bas au pays, comment elles sont belles. C'est comme si ce sont les mamies Ouattara qu'on allait tirer dans l'eau et qu'on vient mettre sur terre, maman. Les petites sont belles, la magie. Quand tu regardes, tu dis que, hey! Elle s'assoit comme ça, elle drague ton gars. Devant toi, tu fais quoi? Tu vas dire que quoi? Elle embarque. Qu'elle embarque là. Ce qu'elle lui fait. Lui-même, toi-même, tu t'assois comme ça, tu dis que merde. Lui-même, le gars s'assoit comme ça, il réfléchit. Donc, il faut comprendre que c'est important. Il faut comprendre. Oui, elles sont belles, maman. Elles, les petites filles du pays. Ne venez pas mal. Elles ont le temps. Elles ont le temps de s'arranger. La petite se lève le matin, elle prend son temps. Elle va s'asseoir au salon de coiffure, on lave, elle se met bien, on arrange ses ongles, on arrange les cheveux, on la coiffe, elle fait. Il dit qu'elle a le temps de s'occuper d'elle. Nous ici, on travaille. Nous, on n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Les petites là-bas, elles ont le temps. Elle sort comme ça, là. Elle prend son temps. Elle sait que quand toi, tu. Quand nous ici, on se dit que ouais, à 22 ans, on est en train de dormir, c'est là où elle commence à prendre sa douche pour sortir. Pour aller vivre. La beauté de ça, tu regardes l'enfant, tu te dis que merde, l'enfant si même. Hey, c'est un enfant où. Non. Faut pas se négliger. Qui va se négliger alors là? Qui va se négliger? C'est pour ça que je vous dis que soyez fiers d'être comme vous êtes. Et mettez-vous en valeur. Vous avez compris, non? Quand ton Dieu arrive souvent comme ça, là, parce que les hommes sont parfois même très vicieux. Il peut même qu'aimer comme si tu te trouves dans une situation. Au lieu de te dire que oui, mon bébé, voilà, nanana. Il va vouloir seulement même te dénigrer pour que toi, tu te délaisses encore plus. Il va te dire que non, mais chérie, ne te dérange pas. Moi, j'aime ça. Tu es belle comme ça et tout. Ah bon? Jamais ne mens. N'acceptez pas. Tu n'es jamais ne mens belle comme ça. Oh oui. Donc, il faut renouveler. Ma, on avait parlé des ciseaux, des cristaux de menthe. Je suis go acheter pour tester. Ça a chauffé l'homme d'autrui. Il fallait nous voir dans la chambre en train de souffler. Ouais, la mère, tu avais mis beaucoup. Toi aussi. Tu vas où là? Où? Elle est où, Mariama? Tu lui dis qu'elle m'appelle. J'ai dit que, maman. Les cuissons de menthe. Tata Gladys. Ma mère, toi aussi. Toi-même, tu ne connais pas le danger des cristaux de menthe, la mère. C'est doux, c'est un petit truc comme ça que tu prends. C'est juste une histoire de glacer la chose. Ce n'est pas le genre que tu vas dire que tu mets beaucoup. Mais si tu mets beaucoup, ça brûle l'enfant. Voilà, tu as souffert. Ouais, Seigneur. Adama, que je demande. C'est un petit truc, ma. Je dis que c'est. Ouais. C'est un petit ouais comme ça, là, tout petit. Tu tiens un peu.
tu gères ça. Seigneur, les filles au pays sont dangereuses. Une occupée ton gars, tu es mal barré, bien sûr. Bien sûr que si une occupée ton gars, tu es mal barré, c'est la magie. Les gars, là, ils acceptent tout. Hein. Les gars au pays, elle-même te propose que le père, je viens avec ma copine en volet. Elles sont partantes dans tout genre de position que vous ne pouvez pas imaginer. Ce que toi, tu ne fais pas, ce qu'elle fait. Toi, tu t'assois comme ça, tu regardes l'enfant là, tu dis que yes. Tu dis que yes. Oh. Tu dis que, hein, maman, voici celle que j'appelle ma petite soeur. Petite soeur. Danger public. Oh. Ah, si vous voulez vous négliger, négligez-vous. Hein. Négligez-vous. Hein. Mais, on ne va pas dire que il n'y a pas des interdits. Il y a des femmes, chacune connaît son corps, chacune connaît ce qui lui fait du bien. Mais quelque part aussi, il y a aussi des choses que tu ne peux pas aimer et tu dois dire à ton homme. Oh, c'est logique. Elle propose l'entrée de star alors que tu ne donnes pas. Ah, c'est le lait. Oui, toi à la maison tu refuses, mais elle te dit que je te donne tout. Dans tout. Elle dit que je verse, je te dis qu'elle c'est ton joke comme... Oh, c'est si le gars vient alors de bain. Maman, tu es fichue. Si ton gars vient alors de bain. Oh, maman, tu es fichue. Quand un gars vient de bain. Seigneur. Je dis que les gars là, elle-même, elle te dit que le père va te prendre la tête. Tout ça parce que tu vas lui donner peut-être 20 000 le matin, Valérie. Elle va revenir le soir. Elle va te proposer qu'en venant, je viens avec ma copine, tu veux. Maman. Mais si tu n'aimes pas l'entrée des stars, ne fais pas. Parce que tu penses que mieux il go dehors, il fait. Chaque femme doit avoir des limites. Chaque femme doit avoir des limites. Mais c'est sur la langue, non, ma? Tu prends les cristaux de menthe, tu mets un peu dans la bouche, non? Après, tu fais un peu fondre. Là, là. Et puis après, tu utilises ça sur... Ça refroidit, là. Et puis tu... Voilà, tu tailles ton type. Sans faire le ngrimba pour chasser la femme de la... Mais oui! Est-ce qu'elle te prie? Mais est-ce qu'elle est là pour jouer avec toi? C'est vous qui avez des sentiments avec... Elles ne sont pas là pour jouer avec vous. Elle sait que si elle fait son truc et que ça et qu'elle arrive à dominer ton gars, c'est mort. Elle dit que c'est mort. Une fois que c'est mort, là, c'est fini. Toi-même, tu t'assois comme ça, le gars commence à te regarder, genre. Il y a les gars que tu go en boîte avec ton Joe comme ça, tu arrives comme ça, la maman. La façon que l'engard te tient à ton Joe. Et tu regardes le gars comme ça, là, tu vois comment le gars est en train de tomber. Les femmes sont dangereuses. Hein. Ce n'est même pas ça. Mais même ici, ma blague, est-ce que tu as essayé les cristaux? Maman, j'ai essayé. Mais ça que je te dis, qu'on ne met jamais, tu ne prends jamais beaucoup. C'est un peu. Parce que quand tu utilises ça, maman, le gars, là, il manque ta nestase. Oh! Il monte. Oh. Aïe. Tu laisses. Dis que ça framponne. Quand le gars se tend. Maman. Pardon. Ça, c'est les... Wow, le directeur. Le directeur des âges. Tu t'interdis au moins de 18 ans. Ne venez pas ici, s'il vous plaît. Quand toi-même, tu regardes ses yeux-là, tu n'imagines pas que le père a du travail. Regardez les yeux de qui? Moi. Hey, pardon. Wombo. Wombo. Non, Zazie, je joue, pardon. Arrêtez le tout là. C'est un violent tout. Et arrêtez de dire que wow, moi, les positions bizarres. Oh, je ne fais pas. Oh, je n'entre pas. Oh, je ne sors pas. Maman, faites seulement.
Les entrées interdites, vous dites que nous, on le paie, pardon. Mais en dehors de ça, quand on dit que Beauty, bonsoir, bienvenue à toi. Quand on dit qu'on prend les positions ciseaux, les positions rocambolesques, les positions que on met à coup de doigt, les positions qu'on dit qu'aujourd'hui là, c'est, j'ai même oublié, maman, c'est la position 69, la position, elle dit que les positions cracra, que vous connaissez. Arrêtez de dire que j'ai mal au dos, j'ai mal au pied, je ne peux pas faire que je ne peux pas. Vous faites vos efforts, tu fais de ton mieux, tu fais seulement. Même si tu as mal, tu essayes, tu fais seulement. Alors sinon, l'heure est grave, les filles ne lapent plus dehors. Si tu veux négliger, on va protéger. Hein? Donc, moi je suis pour la mbinda le matin. J'aime, ça me c'est bien. Ça relaxe, ça fait du bien dans la journée. Ça te met bien. Surtout quand il y a une fusion là. Et quand c'est fusionnel. T'as pas gratis. Beauty, full candy. Tu es du matin ou tu es du soir. Surtout quand il y a une fusion, la chimie. Hey, maman, hey, maman, tu regardes ton gars comme ça, tu regardes comme ça, tu dis, oh, le père, oh. Maman, il faut le surprendre. Hey, Beauty Candy, je vais te dire, ma mère. Hey, ça dépend. Si tu as l'habitude de que... Je n'ai pas dit la fessie. Si tu as l'habitude de que... Quand il rentre sur le mur, il vient te trouver toujours. Que vous partez toujours vous cacher que dans la chambre, maman. Comme ça, je dis que tu l'attends que devant la porte, mamie. Mamamba, devant la porte. Devant la porte. Oh. Le gens que quand il rentre, toi-même, tu le tires seulement que le. Et même si c'est. Je dis que ouais, oh Adama. Oh, hé hé. Ouh, Seigneur. Adama, devant la porte, toi-même, tu gères la chose. Tu gères la situation propre. Lui-même, il est étonné que, hé, hey, manga, si, c'est manga, oui, 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 oui. Ils aiment ça. Ils aiment ça, là. Moi, il dit, je suis, le matin, non, c'est un bon, c'est le meilleur petit déjeuner pour une femme, dis donc. Le meilleur petit déjeuner de ta journée, là. Seigneur, pour ceux qui sont les gens en couple, là, arrêtez de dire que wow, wow, wow. Quand j'ai conçu mes jumelles, j'ai inventé la position appui pendu renversé. Merde! Hein? Maman, explique-nous. C'est quoi la position appui pendu renversé? Hein, la fortune! La fortune! Hey! C'est quoi la position appui tendu renversé? Oh putain! Oh 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 oh! Il y a les positions comme ça ici dehors. Je n'ai jamais entendu parler de la position là. Hey Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. La fortune, il faut que tu nous expliques. Hey! Position appui tendu renversé. Ça veut dire qu'il était comment? Tu étais appuyé que comme ça? Ou ça veut dire que tu étais que comme ça là? Ouh, tu étais comment? Mais il faut nous expliquer la fortune parce que ça, c'est une démonstration. Il faut que tu nous expliques. Tu nous dis que les positions appuient tendues. Tu t'es appuyé comment? Tu étais que sur les deux genoux? Ouh, tu... Attends, il faut que tu viennes nous expliquer ça, la fortune. Parce que vraiment, toi, avec tes positions rocambolesques, dignes de Mindayance pendant la grossesse avec les jumelles. Hey! On avait vu ça en gym. C'est le poirier massa. C'est le poirier massa. Ah bon? Elle va nous dire qu'il a mis. Coucou la fortune. C'est quoi? Tu mets la tête en bas du lit. Fais attention à ta fortune. On en fait voir les seins là, la fortune. Même attache le poignet en haut. Le poignet? Tu soulèves le pied comme ça. Ah! Adama, tu mets la tête en bas du lit. La fortune, le lolo, là, on a besoin de quoi? Tu nous montres le lolo, il y a quoi?
Mais les loulous là sont debout, hein. Adama, tu soulèves le pied, c'est-à-dire que tu soulèves le pied. Hé, hey, ta fortune. Après, tu mets la tête en, tu mets la tête en bas du lit. Mmh. Mmh. Mais, excusez-ma vie. Excusez-moi. D'accord. Je vois un peu. Je... Tu vois la position. Je vais dire non. Oui, 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 oui. Je vois la position. Ah, c'est ça qu'on appelle la pluie tendue renversée. Non, c'est bien. En tout cas, hein, il faut, hein, il le faut parce que quand les panthères, Black Panthers qui sont là dehors, là. Mais dehors, c'est-à-dire qu'elles sont en Afrique. Hein. Quand elles commencent à vouloir te faire ça dur, elles ne rigolent pas. Hein. Hey, les panthères, il faut marcher avec les cadenas et puis les menottes. Tu attaches ton gars comme ça, la plus bouche. Tiens, le soir. Tiens, le soir. Hein? Est-ce que tu as le soir? Non, à 5h du matin, là, le petit déjeuner. Ouais. Ouais, maman, le goût de ça. Ouais, 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 Adama. Non. Hey, ça a un goût pas possible. Le petit déjeuner de 5h du matin. Un goût pas possible. Merde, quand tu te réveilles comme ça que tu es en train de dormir, non. Tu es dans ton sommeil, un genre. On te réveille, c'est une petite caresse comme ça là que quand ton gars connaît tout ton corps là, tu vois, non. Il vient seulement qu'il te... Maman, hey, maman. Maman. Ça ne manque pas, ma, la fortune. Et que mais, ça ne manque pas. Hey, c'est-à-dire que toi, tu vibres comme ça, comme le vibreur. Mais la fortune, tu aimes le matin ou tu préfères le soir, la fortune? Et c'est les deux. Moi, je préfère les tout. Mm-hmm. Voilà. Je préfère les tout. Les deux. Je préfère les tout. Mm-hmm. Oui. Parce qu'il faut donner. Okay. Il faut donner la chose de quelqu'un. Ok, c'est comment? Mansa, il faut donner. Ça a dit que quand il faisait les jumelles, c'était appui tendu dans le Non, mais j'avais tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts comme ça. Il suffit de te coucher sur le lit seulement. Tu envoies tu envoies comme ça derrière. Il peut. Hey! Il te prend sur le dos, allongé, sur le côté, la position. Non, sur le côté. Oh, merde, c'est pas possible. Hey, coucou, ma princesse, enfant lumière. Bienvenue, ma beauty de valeur. Bienvenue, sur le côté. Sur le côté. Je ne souffre de rien. Alors là. Tu me vois, tata. Attends, ben, tu l'as regardé, maman. Tu me vois, tata. Ah, les enfants, pardon. Non, ça, c'est pas pour les enfants, ça. Ça, c'est pas. Il faut en devenir. Non, pardon, Tutu, vas-y. Je suis en train de parler des grandes personnes. C'est pas pour les enfants, mon bébé. Mais tata dit, c'est pas pour les enfants, le direct. Oui, ton téléphone est bug. Papa, il a commandé le iPhone pour toi. Il l'a commandé. C'est pas grave, tu fais. Fais-moi la porte à cousine, s'il te plaît, mon cœur. Merci, je t'aime. Et sur le côté, hein? C'est la magie. Il ne fait pas d'effort. Le gars, là, lui-même, c'est lui-même qui vient dans la douceur. Mon bébé, enfant, lumière. Hey, Seigneur, comment vas-tu, ma princesse? Il dit que la douceur. Attends, il te touche le nom comme ça. Comme tu es là, bébé, c'est-à-dire que. Oh. Seigneur, comme Gladys, ça dit que maman, lui-même, il dit qu'il va dormir après, il dort seulement après, le tout cela. Hé, hey, maman, le goût de ça. Ouais. Tu parles de quoi? Le maman, matin, c'est tu as le sourire comme ça là. Tu as dit que quand vous vous réveillez là, tu lui fais à manger un jacques, la nourriture. Ah, le goût de ça. Est-ce que ça manque? Pardon, ma soeur, je te laisse. Pardon. Pardon. Bisous, ma soeur. Bisous. Il y a les positions là qu'il faut utiliser.
C'est-à-dire que quand toi-même tu te mets dans la peau de la, du jeu de rôle, tu dis que oui. Tu dis que oui, le tout, c'est là. Je suis que dedans. Ah oui. Tu dis que le tout, c'est là. Je suis sauf que là. Sadia et Sadia. Ça prend et ça prend. Donc, mesdames, arrêtez de dire que wow, je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas. Maman. On est sauf que là. Comme t'as tout, Michel. C'est comment? Hein? Ça va. Donc, moi, je suis du matin, je suis tout terrain. En tout cas, à partir du moment où, quand je dis que c'est bon, on dit que c'est bon, quand ça nous prend là, on fait seulement. Nasso, idée. Oui, Sylvie, c'est comme ça. Hey! Sylviane, bonsoir ma tata. C'est comme ça va, merci. Non, c'est comme ça. Il n'y a pas de quoi, on attend 5 heures, on attend 8 heures. Maman, les pauvres, ça dit que tu te mets bien. Et je vous dis que les situations qu'on est toujours dans les quatre murs dans la chambre, là, à un moment donné, il faut arrêter ça. À un moment donné, vous prenez. J'étais bloquée, laisse-moi. Là, hier était hier, aujourd'hui, on est aujourd'hui. À un moment donné, vous dites aux enfants que, les enfants, si vous avez une tante, partez là-bas. Merci. Partez là-bas. Tu envoies les enfants. Vous vous gâtez dans toutes les pièces. C'est-à-dire que ce soit toilette, salon, salle de bain, chambre, cuisine, couloir, partout. Merci, ma princesse. Merci, enfant lumière. Merci, ma grande. Merci. Vous vous gâtez, maman. Vous faites le. Eh, Seigneur. Vraiment. Le sujet. Sylviane, tu es plutôt du matin ou tu es. Est-ce que toi tu aimes te mettre à l'aise avec ton amour le matin? Tu aimes quand on te touche le matin avant que tu ne sortes de la maison ou pas? C'est ça le sujet. Genre dans la voiture, quand il rentre, tu le retrouves. Ah, Seigneur, maman! Ouh, maman, j'ai fini un jour dans la voiture. Maman, le goût de ça. Oh, le goût de ça. Oh, le goût de ça. Oh, le goût de ça. Oh. Ah, maman, la dimension, ça tape. Le goût de ça, maman. Hey! Là, je dis que s'il y a une chose que n'est pas encore expérimentée en vrai, qu'est-ce que n'est pas encore expérimentée en vrai? Bon, je n'ai pas moi expérimenté les gars. Je n'ai pas encore expérimenté genre dans l'avion. Parce que si c'est au stade, j'ai fait. Si c'est entre deux comme ça, en passant dans les restaurants à Dondouane. Donc, si c'est les gens que dans la voiture, n'en parlons plus. Ouais, Seigneur d'amour. Non. Quand tu y as ta personne, non. Quand tu as ton joke, tu y as, quand vous y allez, maman, vivez les choses. Ayez des expériences. Parce que, même quand vous vous séparez, tu dis que, maman, non, le gars, c'est mon affaire. Même au jardin botanique à Dondouane. Oh, hey, Seigneur. Vous parlez de quoi? Ça ment? Ça ne ment pas. Oui, les enfants, à un moment donné, les enfants, franchement. Moi, j'ai toujours été. Bonsoir, maman Dorcas, big up à toi. Hé, hey, maman, venant, j'ai que maman. Maman, je dis que même dans le jardin, je dis que j'ai fait. Le seul endroit où je n'ai pas encore d'où que dit que ouais, quelque chose comme ça, dit que non. Je suis un jour, on m'a bring ici dans un club, ici là. Ici, c'était à Pigalle. Non, c'était pas à Pigalle. Lui, c'était à Pigalle à l'époque. Hey, maman, hey. Woyo, woyo, oui. J'ai dit que je suis arrivée là-bas, mes frères là-bas m'ont dépassé parce que le niveau est trop élevé, maman. Les whites ont fini avec ça. Gladys, tu as déjà été en balade et en entrant, il pleuvait. Oh, ma tata Gladys. Hey, Seigneur. Elle dit que sous la pluie, même sur les escaliers. Ouais. Il y a les choses. Il faut expérimenter. Merci, tata Sylviane. Il faut expérimenter. Oh.
Ne te bourrez pas, Jean Jao. Nga, je suis mariée. Nga, je suis assise à la maison. Nga, l'homme il rentre tous les jours, te trouve là avec les cabanes, Jean Jao. Oh, parce que tu es mariée, tu crois que c'est déjà. Oui, j'ai été, mais je n'ai jamais fait là-bas. J'ai vu les gens faire. Parce que moi, je venais d'arriver en Europe et on m'a invité. Donc, du coup, ça m'a fait un genre. Je n'étais pas à l'aise. Peut-être que si c'est maintenant là, non. Nous tous, on va sauf que c'est gâté là-bas, puis on va sortir. Oh, Annie, venue connue. Hé, hey, s'il te plaît, arrête ça, arrête. Arrête un peu comme ta chou. Non, ne viens pas gâter mon direct. Je n'aime pas ça. Voilà, arrête, arrête. Nous ici, on est dans la rigolade, on parle nos choses. Arrête un peu, s'il te plaît. Ouais, ma soeur. Maman. Hé, hey, Seigneur. Où y aller? Envoyez les cœurs, dis donc. Vous voulez que bavarde, les bavarder. Ça, vous m'envoyez même pas les cœurs. Vous pas. Attendez, regarde d'abord si on envoie les cœurs. Vous allez partager même le direct, c'est là d'abord. On envoie, on regarde, on vérifie. Hey! Oui, il y a que Sophie Aline qui a partagé le direct. Bon, la tigresse. La tigresse a aimé. Donc, ma fille, quand tu peux, appelle-moi. On bosse. Je te donne un secret, mes soeurs, si tu veux. Ok, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, mais je ne vais pas te mentir que je me sens tellement belle dans ma peau de femme comme je suis que... s'il y a une seule chose que je peux... C'est un peu casser mon ventre, mais le reste là, même, hein, en vrai, me sent trop belle. Beauty, la plus... Merci. Oh, Jamilia. Oh, merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Merci d'encourager la Bla Beauty. Merci beaucoup. La fortune envoie les étoiles à la Bla Beauty. C'est comment? Je disais tantôt que ne mourons pas bientôt. Moi, je vous dis, prenez la peine d'essayer. Le jour où j'ai essayé sur la machine à laver, maman, quand la machine à laver était en train d'essorer. Hey! Maman et mon groupe d'étoiles a déclenché. Oh! Vous avez déclenché le groupe d'étoiles. Versez alors les étoiles, ma mère. Versez les étoiles, s'il vous plaît. Vous avez déclenché le groupe. Activez un groupe d'étoiles. Ça a été activé. Versez alors les étoiles, s'il vous plaît. Hey! Attends, j'appelle ma mère. Que Marie me donne les étoiles, s'il te plaît. Oh! Marie me donne les étoiles. Oh! Viens me donner les étoiles. Oh! Elle va dire que ma fille, tu vas faire seulement pour les étoiles. Je dis que oui. Viens me donner les étoiles. Merci, Zazijo. Merci, oh. Oh, merci, merci, merci. On continue. On verse les étoiles. Merci, mes amours. Merci. Merci. Ouh. Donc, je disais que le jour où j'ai goûté la machine, j'ai essayé sur la machine à laver et saurage. Hey, maman. C'est le terminus, c'est. Je dis que quand la machine est en train de saurer là, non, tirez le père. Pendant que la machine est en train de tirer le père, vous dites que le tout sinon, c'est la magie. Viens seulement. Il manque 3 minutes 41 pour qu'on boucle le groupe de toi. Moi, je ne sais pas si c'est combien de tout, il faut 1000 quelques. Je ne sais plus, c'est 1000 ou c'est 2000, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas l'habitude. Merci, 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 merci. Donc, arrêtez de jouer les femmes trop sérieuses que wow, je ne peux pas. Oh. Ma Dorcas, j'étais venue dans le direct. Pardon. Merci, Tata Sylviane. Prenez les choses tranquillement. Le matin comme ça, là, tu masses mon père. N'est-ce pas les histoires comme wow, ma bouffe fatiguée. Fatigue, là, ça n'existe pas. Et envoie les étoiles, oh, ça va finir le groupe d'étoiles. Merci, 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 merci. Merci. Oh, merci, Sylviane. Merci, Gladys. Merci beaucoup. Merci, merci. Il y a encore 2 minutes 45. Bientôt, ça va faire le plein. Je ne sais pas combien il reste, mais ils ne disent pas hein, le nombre. C'est ça, le truc. Merci. Envoyez encore, je ne sais pas combien, mais bientôt ça va faire le plein. Dans 2 minutes,
2 minutes 29. Donc, ne laissez pas les petites filles là venir embrouiller le père. Merci, ma grand. Hey, merci d'être là, Gladys. Groupe d'étoiles à terre, merci, merci, merci. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Ne laissez pas les gens venir embrouiller. Ne laissez pas que oui, tu vas rester là, que ouais, ça fait 10 ans, je suis mariée. Il n'y a pas de ça, maman, la course, là, c'est tous les jours. Ah, en tout cas, moi, hein, je ne dors pas, moi. Moi, quand je suis à l'aise, je fais ma chose. Avant de partir au travail, je suis bien. Si ce n'est pas que je suis malade, je bolle ma chose. Ouah. Ouah. Et vous savez que quand une femme, évitons les boubous, soyons sexy. Oui, beauty. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi, d'abord, à la maison, je ne porte... Franchement, je suis désolée. D'abord même, vos histoires que quelqu'un reste avec les... Je porte ma culotte, je suis tout ça là. Je ne suis pas dedans, hein. Oh, aïe. Il n'y a jamais rien en bas, hein. Avant ma prépaté. Même si tu as 100 ans de mariage, la fortune, tu innoves, tu travailles. Oui, 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 oui. Tu expérimentes les choses. Tu pimentes la chose. C'est ça qui est ça. Là, je vais te dire que comme j'ai 20 ans de mariage, là, je me néglige. Oh, je ne me fais plus trop belle. Oh, je reste comme ça. Dis donc, il y a encore quoi de nouveau? Hein? Il y a quoi de nouveau? C'est la partie là, même sa partie du moment où il faut travailler dur. C'est la partie là où il faut travailler dur. Est-ce que ça manque? Ça ne manque pas. En tout cas. Maman, beauty candy, que le pâté s'assoit comme ça. Ouais, je dis que, mais mine de rien, on aime nos enfants, mais mine de rien, parfois les enfants la dérangent dans la maison. Vrai, vrai. Attendez, mais fermez d'abord. Parfois les enfants la dérangent, mine de rien. On les aime, mais parfois là, il y a les moments où tu as envie de faire cette ou avec ton Joe, tu restes comme ça, tu dis que merde, c'est quoi ça là, non, mon frère? Tu vois, les mounas. Bonsoir ma puce. Tu vois les mounas sont là, tu dis que mais tu ne peux pas crier. Tu ne peux pas crier mon frère, les sensations fortes. Wow. Tu ne peux pas crier. Parce qu'il y a les enfants à la maison. Parce que c'est monté, c'est descendu. C'est pour ça que je veux dire que tu souvent, on quitte la maison là. Quand moi, il m'énerve comme ça, moi-même, je fais la réservation d'hôtel. Quand moi-même, ça m'énerve, je réserve l'hôtel. Je dis à mon Dieu que. On go à l'hôtel. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Pas parfois le temps. L'homme va très vite dehors. Mais c'est ça, Ndolo Moulema. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il dit que je suis tout à fait d'accord avec toi, les hommes. Il suffit que son ami vienne chercher ton... dit que ouais, on va sortir un peu. Ils sortent un peu là. Maman, ils arrivent là dehors, une petite fille... Fais un peu un genre comme ça, là, un petit sourire, n'a quoi, le bla. Hey, maman, oh, oh, lolo, oh, oh, mon poutiamo. Dolo dit que quoi? Dolo dit que quoi? Et si tu fais tous les jours, il ne va pas dehors. Il peut aller dehors, mais ça dépend, la mère. C'est pour ça que dans ce que tu fais tous les jours, là, il faut innover. Ce n'est pas que quand tu vas faire tous les jours, que tu vas faire tous les jours, tu vas avoir les mêmes positions. Non, il faut changer. Il faut changer les pièces, il faut changer le contexte. Même parfois, tu attrapes ton titre dans les escaliers de l'immeuble, même vous finissez là-bas. Et c'est quoi le problème? C'est tous les jours qu'il y en a dans les escaliers. Oui, celui qui va dire, il va seulement aller, Jamila, je suis tout à fait d'accord avec toi.
C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, même les mounas sont sortis. C'est ça. Tu dis que même dans les... Mais beauty de valeur, quand vous allez essayer la machine à laver pendant que c'est en train de sourire, quand la machine à laver est en train de sourire, essayez ça, vous allez me dire ici. Vous allez venir témoigner ici que maman, la dimension de ça. Maman, Dieu t'envoie les étoiles, le professeur. Non, moi je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Je dis que machine à essorer. Beaucoup de dialogues dans le couple. Oui, c'est très important aussi parce qu'il y a des hommes qui sont fermés. Il y a les hommes aussi où si toi tu ne lui expliques pas les choses, ou peut-être qu'il a même envie d'expérimenter les choses avec toi, mais il a peur. Il se dit que quand je vais venir vouloir faire ça avec Manga, Rangala va dire que mais tu es allé dehors, tu m'as trompé. Or, quand tu es open avec ton gars, c'est-à-dire que vous parlez de tout et de rien, quand il vient comme ça là, il te dit que bon, ou que toi-même tu lui proposes, oui, c'est pas seulement les hommes qui vont vous proposer. Mon frère, Wanda sur vous, c'est quoi, vous servez à quoi? Toi-même tu proposes à ton joker, et tout cela le père. On fait que. Il y a les gens. Voilà Gladys. Gladys dit qu'ils utilisent même les gadgets. Il y a les gens qui utilisent les gadgets. Il y a les gens qui vont acheter les gadgets, les choses bizarres, genre là. J'ai une copine que son gars, qu'ils ont l'arsenal de ça chez eux. Elle me dit que maman, sans ça, là, elle n'est plus. Donc avant, elle n'utilisait pas. Mais qu'elle a connu le gars là, le gars là l'a habitué à ça. Aujourd'hui, là, elle ne peut plus se passer. Donc elle a besoin de ça pour se sentir bien. Elle dit que ça lui fait du bien. Ah! Elle dit, oh! Oh, 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 oh. Maman, elle aime la chose comme ça. Elle veut comment? Il faut innover. Les hommes aiment la nouveauté. Les hommes aiment la nouveauté. Sur Internet, non. Vous avez les trucs Kamasukra, non. Où c'est Kamasukra, où c'est quoi? Vous avez les positions, non. Vous essayez, non. Ça vous fait quoi? Maman, mais il y a les positions. Quand tu commences aussi à essayer, la maman, le mal de dos de ça. Le goût. Ouais, le direct, c'est trop bon à moi. Ouais, maman, on peut faire ça, Adama. C'est très important. Ne vous détournez pas de l'objectif. Vous voulez préserver votre relation. Arrêtez d'être coincé. Et l'homme doit faire quoi pour que la femme n'aille pas dehors? Mais elle qui doit respecter, un homme doit aimer sa femme et respecter sa femme. Quand une femme est respectée dans son foyer et aimée par son homme, même si c'est Paul Biya qui vient devant, elle dit que le père, j'aime mon gars. Ne nous mentons pas, nous sommes les femmes, on se connaît. Ah, il y a les positions qui font comme si ton cou va tomber. Oui, il y a les positions trop bizarres là. Ça devient des positions des gens qui sont à l'extrême là-bas, loin là-bas là. Vous voyez les positions des gens maso, un genre. Ça, là, c'est des positions très graves. Donc, pardon, n'entrez pas dans le système, là. Le système, là, est trop fort. C'est une autre dimension. Une femme qui va aller dehors, va aller dehors. Un homme qui va aller dehors, il va aller dehors. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Moi, je ne pratique pas ce genre de choses, donc je n'en sais rien. Les questions comme ça, ça ne me passe pas. Je n'ai pas de réponse à te donner là-dessus. Quand il faut bien tout, sinon, peut-être, elle peut être frustrée. Tu sais, une femme peut être dans une relation avec un homme qui ne fait pas trop bien l'amour, qui la respecte, qui la valorise, elle peut rester. La femme en soi n'est pas trop centrée sur le sexe. La femme en soi recherche beaucoup plus le respect de son homme et la valorisation. C'est-à-dire que quand ton homme te valorise. Natacha, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à toi, ma grande. Bienvenue chez les beauty. Donc, c'est pour dire que les femmes n'ont pas les mêmes problèmes que les hommes.
Mais par contre, un homme, il aimerait bien avoir une femme qui sait très bien faire la chose. Lui, ça le... Il se sent... Voilà. On a vu des femmes qui sont restées dans les foyers avec des hommes où elles te disent que moi, mon type ne me fait pas trop, je n'ai jamais atteint l'orgasme, je n'ai jamais eu ceci. Oui, justement, il faut le faire souvent, bien sûr. Mais quand tu es attiré avec ton partenaire, est-ce qu'il y a même le souvent qui existe? Le mot souvent même n'existe pas. Quand il y a ce qu'on appelle cette alchimie-là, cette alchimie, c'est-à-dire que cette fusion. Mais ma chérie, il n'y a même pas le mot suivant qui existe. C'est dedans, c'est dedans, c'est dedans. Oh, à tout temps. Quand l'autre veut, l'autre cède. Quand l'autre veut, l'autre cède. Donc vous êtes seulement que dedans, que dedans, que dedans. Donc le moulin tu l'as quoi? Tu as partagé le direct, ma mère, partage le direct, non. Ouais, ma soeur, ou partagez direct, bien. Il faut bien faire la chose. C'est très important pour une femme de bien faire. Oui, la femme doit bien faire à son homme. Le genre que quand tu te mets au-dessus, tu le traites dur parce que lui-même dit que, hey, Mardon, c'est comme ça que toi tu sais pédaler. Tu dis que oui. Oh, ah. Oh. Vous parlez de quoi? Ah, bon, facile, Guy. Nanda, ça se travaille. Je dis que, tu veux dire qu'avec trop de gigolos qu'on a dehors là, parce que les femmes ne font pas bien. Mais non! Les gigolos, un homme qui veut, c'est ce que je te dis que, un homme qui veut te tromper va te tromper. Un gigolo, c'est un gigolo. Un gigolo, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment. Un gigolo, c'est quelqu'un que lui, il arrive chez toi, il prend ce qu'il a récupéré, il passe à la suivante. Le gigolo n'est pas là pour t'aimer, au fait. Mais là, je parle de ton homme, de celui avec qui tu vis, de celui avec qui tu as une belle relation, de ton gars, pu, pu, pu. Le gigolo, lui, s'en fout. Le gigolo, vous êtes comme ça, vous êtes aligné, même 6. Quand il finit chez toi, la nuit, à 9h, il dit que je m'en vais faire une transaction, j'ai un rendez-vous avec un ami. À 9h, il part livrer l'autre colis là-bas chez une autre fille. Dès qu'il finit là-bas, à 14h, il est déjà ailleurs. Ainsi de suite, il a au moins 5 maisons qu'il gère lui seul. Ça n'a rien à voir avec ton nom, avec ton titulaire. Ton titulaire, c'est ton titulaire. Tu dois te charger de bien lui faire la chose. Ah oui. Le titulaire, c'est le titulaire. Les enfants, il y a eu du jour au bureau, ils sont en train. Le titulaire, c'est un titulaire. Oh. Pas comme les histoires qu'on dit que oui, oh, les gens que tu rencontres, c'est pour ça que quand les filles la rencontrent, souvent vos titulaires, la maman, les vipères qui sont dehors, les chercheuses qui marchent pour un soir là, les filles de bar, les filles que quand on leur donne une bière et un plat de cuisse, on les donne à manger dans les restaurants parce qu'elles sont versées là dehors. Avec une bière, on les prend, on les embarque. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. C'est très important de s'exprimer en amour. Dis à ton partenaire ce qu'il doit faire pour que tu sois bien. Exactement. Oui, il le faut. Parce que faire l'amour avec un homme, par exemple, qui ne connaît pas ton corps, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans la. Pendant l'acte, elles ne parlent pas. Elles sont muettes. Pourquoi vous êtes muets, en fait? C'est un moment d'échange. C'est un moment de partage. Tu dois dire à ton mec que, bon, voilà, moi, c'est quand on me fait ce que j'aime. Moi, c'est quand on me prend comme ça. Ou que, voilà, pour que j'atteigne. Parce que l'homme doit. Le corps de la femme, c'est un mystère. D'accord, ma maman, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, je vais t'appeler après. Le corps de la femme, c'est un mystère. Et personne ne peut mieux maîtriser le corps de la femme que soi-même. Raison pour laquelle c'est important de parler à son homme. De dire que voilà. Et plus tu vas parler à ton gars, plus il va apprendre à connaître ce que tu aimes.
plus il va apprendre à s'organiser pour mieux te faire la chose pour que toi tu atteignes ton orgasme. Il y a des femmes qui sont mortes là-dedans, n'ont jamais atteint leur orgasme. Je dis bien, et qui ont accouché des enfants. Ben, si tu penses que c'est l'alcool qui doit contrôler, c'est que c'est très grave. Comment ça, tant qu'elles n'ont pas bu? Ben, si tu ne bois pas, si tu dois boire pour te mettre à l'aise, ça veut dire que tu ne peux jamais faire la chose quand tu es lucide alors. Et il faut aussi dire qu'il y a des hommes qui abusent de ce genre de femmes. Des femmes qui boivent pour se mettre à l'aise. Il y a des hommes que quand ils connaissent que ta faiblesse est ça, il va te saouler tout le temps. Tu seras sous tout le temps. Parce qu'il va te donner à boire tout le temps pour te mettre dans des situations. Peut-être même parfois tu auras même honte. Et si c'est servir de ton corps comme il veut. Non, apprenez à être lucide quand vous faites. Apprenez à être bien quand vous faites la chose. C'est aussi simple que ça. Et parlez à votre partenaire. Et ton partenaire va te dire aussi que bon, voilà ce que j'aime et tout et tout et tout. Parce que généralement, la femme, ce n'est pas difficile pour la femme. Hein. Le corps de l'homme pour la femme, en vrai, c'est pas compliqué. La femme connaît facilement. Parce que généralement, il y a des hommes qui vont te dire, moi, c'est les tétons. Ouais. Au fait, tu le touches, tu sens. Non, Black, bois au moins un verre pour se détendre. Oui, mais quand toi, tu parles de que les femmes peuvent boire, il y en a qui boivent. C'est pour ça que je te dis que quand toi, tu me dis boire, moi, je vois la femme qui est en train de boire jusqu'à s'enivrer avant de se mettre à l'aise. Mais si tu me dis prendre une coupe de verre, boire une coupe de champagne, prendre un verre de vin, c'est normal. De toutes les façons, c'est pas comme si on était, vous êtes des dangers, vous vous arrêtez. Bon, ça peut arriver. Il y a des moments où toi, tu as envie seulement qu'on te brutalise. Hein. Tu vas pas te mettre là en train de dire que je veux faire le... Tu as besoin souvent des sensations fortes. La femme est comme ça. Il y a des moments où la femme a envie qu'on brutalise son corps. C'est toi qui vois comment tu t'organises pour que les choses se passent comme toi tu veux. Forcément, et après, si c'est pour boire et passer un moment, oui, ben oui. Un homme qui travaille beaucoup ne peut pas bien faire l'amour comme un qui n'a pas d'activité. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des hommes qui travaillent beaucoup, mais qui sont virils. Je te jure qu'il y en a qui travaillent, mais qui sont virils. Et il faut dire aussi que les hommes qui n'ont pas d'activité, effectivement, ils ont plus de temps parce qu'ils sont plus au repos. Un homme qui travaille aussi beaucoup, il peut être viril quand il le veut, ou bon, il peut être viril, sauf que parfois, il ne va pas le faire plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Il peut être viril en te donnant un seul coup, en faisant une fois, et après, il est très fatigué. Or, quelqu'un qui ne travaille pas peut recommencer même deux, trois fois. C'est ça la différence. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il est nul parce qu'il travaille beaucoup. Non. 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 C'est juste qu'il a... Il ne va pas rebisser. Je connais une femme qui fait bien hein, son copain, mais il ne l'épouse pas. Je m'interroge. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que c'est suffisant pour qu'un homme t'épouse? Garba, est-ce que c'est suffisant pour qu'un homme t'épouse? C'est vrai qu'on dit que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, mais est-ce que c'est suffisant pour qu'un homme t'épouse? Non. Non. Non, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le... Il y a beaucoup de choses hein, pour qu'un homme t'épouse. Déjà, il faut regarder ta façon d'être, ton caractère vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de sa famille. Comment ça se passe? Comment est-ce que quand il y a une situation, tu gères la situation? Tu sais, les hommes peuvent perdre le temps, même 30 ans à une femme, sans jamais l'épouser. Et en ce moment-là, c'est à la femme de savoir comment réagir, prendre son pied, prendre ses jambes et dire que ici, si tu ne fais pas, je passe à autre chose ou je préfère. Tu vois, il y a tellement de choses. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu peux être une personne qui fait très bien la chose,
Mais tu as un côté, malheureusement, qui n'apprécie pas. Et ça devient un problème dans ta relation. La relation n'évolue pas plus que ça. Il ne passe pas, il ne va pas au-dessus. Mais il est parfois, oui, mais parfois, pas tout le temps. Oui, c'est vrai, pas tout le temps. Sauf que c'est le travail. C'est pour ça que même la femme, voilà pourquoi dans le système, en Europe, on te dit que il faut être dans, il faut, l'homme doit, en vrai, que vous dit la vérité. En temps normal, quand tu regardes en Europe, on dit que l'homme doit beaucoup plus fournir d'efforts que la femme parce que la femme, au fait, même quand elle travaille, c'est important que l'homme l'assiste, que l'homme aussi participe aux tâches, que l'homme fasse des choses. Pourquoi? Parce que quand tu rentres du travail et que tu dois te taper tout, les enfants, le ménage, et ceci, et cela, tout seul encore, tu es épuisé. Or, quand tu as l'homme qui t'aide, c'est équilibré. La fatigue se fait moins ressenti. Comment savoir qu'un homme t'aime s'il ne te le dit pas? Ah, mes azijoux, un homme qui t'aime. Tu le sais par ses actes. La manière dont il te traite, comment il te respecte, comment il parle de toi derrière, comment il te valorise, comment il, l'attitude qu'il a avec tes proches. Oui, il y a des hommes qui ne parlent pas, mais dans les actes qu'ils posent, tu comprends que cet homme, il m'aime. Les conseils qu'il te donne, ce qu'il a, il prévoit, comment il envisage te voir dans des années à venir. Là, tu sens que voilà un homme qui m'aime. Un homme qui ne t'aime pas, il ne va pas se soucier de toi. Il s'en fout de savoir si tu vas bien, il s'en fout de savoir si tes projets avancent. Il ne calcule rien. Donc, quelqu'un qui t'aime t'accorde toute son attention et son désir, c'est de te voir avancer et réussir. Et de te voir heureuse. Il n'aime pas quand tu es triste. Il veut que toi, tu sois toujours à l'aise. Il fait tout pour te mettre à l'aise. Devant ses amis, il ne va jamais te rabaisser. Donnera même pas l'occasion à un membre de sa famille de te parler mal. Oh oui. Il te protège contre tout le monde. Peut-être sauf les parents, peut-être parce que bon, ce sont des parents. Mais c'est la vérité. Et celui qui reste en relation avec une femme mariée et celui-là qui reste en relation avec une femme mariée, c'est de l'amour. Pourquoi est-ce que la femme mariée est en relation avec un homme, un autre, sachant qu'elle est mariée? Est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi elle trompe son mari? Carla Marx, bonsoir, bienvenue à toi ma princesse. Pourquoi est-ce qu'elle trompe son mari? Est-ce que tu t'es posé cette question? Vous comprenez que c'est important. Maintenant, si malgré le fait qu'elle est mariée et qu'elle entretient une relation, ça veut dire qu'il y a une cassure dans le foyer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'elle a un problème et peut-être elle se sent à l'aise avec un autre. Mais peut-être pas. Parce qu'elle a entrepris beaucoup de choses ou que peut-être elle a fait beaucoup de choses avec son mari. Ils ont fait des arceaux, ils ont construit, ils ont bâti ensemble. Elle ne veut pas le quitter. Mais la femme ne demande pas facilement le divorce. Après, ça dépend si c'est en Europe ou en Afrique. Une femme européenne, quand elle va plus t'aimer,
Quand elle va commencer à s'attacher à un autre homme, à un moment donné, elle va te dire que je ne t'aime plus. Et elle va demander le divorce. Mais chez nous, on a du mal à dire ça à un homme. Parce qu'on a peur même d'abord. La peur d'être fracassé. Que dès que tu vas dire que je ne t'aime plus, il va te bastonner. Toi-même, tu vas te retrouver seulement à l'hôpital. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui, quand on aime plus, c'est important de partir. Il va voir. Il va comprendre. Donc, vous comprenez que c'est... Il y a tellement de choses qu'il faut d'abord se mettre en tête. Il y a tellement de choses à voir, à chercher, à comprendre dans une relation que si tu veux essayer de tout analyser, tu vas comprendre qu'au final, les sentiments peuvent revenir. Si elle ne divorce pas, ça va dépendre, Carla Marx. Ça dépend des circonstances. C'est pour ça que dans un couple, je dis que c'est l'homme qui fait son foyer. Je vous dis ça. C'est l'homme qui fait le foyer. Si un homme veut que son foyer soit en paix, il aura l'attitude qui va avec et son foyer sera en paix. En France aussi, beaucoup, oui, donc c'est pour te dire que tu ne connais pas la réaction de celui qui est en face de toi. Mais toujours est-il, c'est mieux de divorcer que d'être dans une relation où tu souffres, où tu es malheureuse, où tu pleures, où tu ne peux plus t'épanouir, où tu ne rigoles plus. C'est mieux de partir. Maintenant, est-ce que l'ex ou ton compagnon va comprendre ça? Elle peut divorcer après, elle se rend compte. Oui, elle peut divorcer après, se rend compte qu'elle aime toujours son mari. Tout comme ils peuvent divorcer et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à se passer l'un de l'autre. Tout ça, c'est l'amour. Mais sauf que à l'instant T où le divorce a eu lieu, peut-être c'était la seule chose qu'il fallait. Donia, je dis non, la femme, c'est le moteur du foyer. Non. La femme a la responsabilité, a la charge du foyer. La femme s'occupe de son foyer. La femme, elle gère son foyer. Mais je dis que l'homme, c'est l'homme qui fait qu'il y ait la paix dans un foyer. Un homme, par exemple, qui sort, un homme qui sort, par exemple, quand l'homme, lui, il est dehors, toi, la femme, tu es à la maison, tu t'occupes de tes enfants, tu vas faire ton marché, tu reviens, tu prépares, tu t'occupes de tes enfants, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Tu n'es pas dehors avec ton homme. Ton homme, lui, il est là dehors, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il revient à la maison, les coups de fil commencent à pleuvoir. On l'appelle, on lui envoie des messages, il commence à avoir des attitudes bizarres. Ça attire ton attention. Ça commence à apporter l'attention dans le couple. Mais quand tu commences à t'énerver, voilà là où les problèmes arrivent. Pourquoi est-ce que certains hommes trichent en cachette? Pourquoi certains hommes disent que moi je triche, mais j'ai deux numéros en cachette? Parce qu'il sait que s'il tient à son foyer, il ne doit pas ramener ses bêtises de dehors dans son foyer. Il ne doit pas ramener ses bêtises dans son foyer. La femme est... Quand une femme aime son mari, elle est focus pour le bonheur de son foyer. Elle est focus. La femme est capable d'accepter l'impossible dans un foyer. Oui, la femme est capable d'accepter l'impossible jusqu'au jour où elle en a marre. Quand une femme est dans son foyer ou en relation, chaque jour que tu fais est pâle, chaque jour que tu fais est pâle, chaque jour que tu fais est pâle, le jour où la femme ne parle plus, c'est mauvais. Le jour où la femme commence à te regarder comme ça, là, elle ne dit plus rien, commence à bien te poser des questions. Bien sûr, c'est ce que tu es en train de dire. Commence à te poser des questions. Parce que quand la femme ne parle plus, c'est trop grave. Donc mieux non, tu commences à réfléchir autrement. Quand elle parle encore là,
Il faut temporiser, il faut doser. Un homme qui est à l'aise chez lui rencontre à sa femme qui sait faire ce qu'il faut pour galvaniser un homme. Un homme qui est à l'aise chez lui rencontre à sa femme. Mais c'est pour ça, ce n'est pas question d'être à l'aise. Non. Mais pour qu'un homme soit à l'aise d'abord, il faut d'abord que sa femme se sente bien. Je vais te dire, Denis, un homme, tu es un homme, tu rentres chez toi, ta femme n'est pas, tu ne respectes pas ta femme, tu parles mal à ta femme, mais tu veux que la femme se soumette à toi. Alors, toi, tu seras à l'aise avec la situation parce que toi, tu es le mâle dominant. Mais la femme, elle n'est pas à l'aise. Oh, un homme qui respecte sa femme, un homme qui discute avec sa femme, un homme qui montre à sa femme que toi et moi, on peut échanger. On peut avoir une conversation digne. On peut parler de tout. Lui, cet homme-là, il ne peut qu'avoir la paix. Je dis bien, il n'y a aucune femme qui se sent aimée, valorisée et respectée dont son mari souffre, dont son mari n'est pas heureux. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Tout homme qui est heureux dans son foyer, sa femme, c'est parce que sa femme est heureuse. Vous, nous, on se connaît, nous, les femmes. Quand une femme n'est pas heureuse, là, ça part de quelque chose. Et le quelque chose, là, ça vient toujours de l'homme. La plupart des temps, c'est l'homme qui ramène les problèmes dans la maison. Là, parfois, c'est l'éducation que la femme reçoit. La femme reçoit l'éducation de faire quoi? Non. Il n'y a aucun parent qui va dire à sa mère, à sa fille que manque de respect à ton mari. Aucun. Tout parent, quand tu as une fille à la maison, tu lui dis sois respectueuse avec ton mari, envers ton mari. Maintenant, comment le mari, lui, il décide de te traiter, toi, en tant que femme? Voilà pourquoi on parle des amis. On parle souvent du milieu où tu fréquentes. Les personnes que tu fréquentes, ça impacte toujours, qu'on le veuille ou pas. Comme nos enfants, quand on dit que vous faites attention dans la rue, ne marche pas avec telle personne. Mais plus tard, ça impacte ta vie. Et c'est pareil pour les amis. C'est pareil pour les amis. Quand vous partez du foyer définitivement déjà, définissez, quand vous partez du foyer, définissez déjà le fondement. Il ne faut pas généraliser les mariages de circonstances qui se font en bain. Non, on ne généralise rien. Non, non, ma tata. Moi-même, quand je parle même plus des mariages au Cameroun. Tu sais ce qu'au Cameroun aujourd'hui, est-ce que les filles ont le temps? Elles te disent que moi, je travaille, toi, tu travailles. Elles se battent. Elles sont devenues des guerrières. Elles sont devenues des guerrières. Ce n'est plus une situation de ben non, c'est partout, au fait. Un homme doit respecter sa femme. Un homme digne de ce nom doit respecter sa femme. Doit valoriser sa femme. Le fait que quand il sort même, c'est-à-dire que quand il te croise, même toi qui es sa maîtresse, même le bonjour, tu ne lui dis pas, il te dit que je suis... C'est-à-dire que la façon dont toi, tu le vois, la position qu'il a là, tu n'as même pas le courage de lui dire bonjour. Ça, c'est un vrai homme. Mm-hmm. Il y a les hommes qui sont même en train de bouiller. Quand un gars appelle, il dit que c'est ma femme. Il prend le défi, parle avec sa femme. Tu fermes ta bouche. Il y a des hommes qui font ça. Donc, c'est pour vous dire que tout c'est l'homme. La femme. Mais quand la femme commence sa part, hein, on voit seulement qu'elle a commencé. On n'a pas vu le début. On voit l'acte qu'elle pose, mais on n'a pas vu le début de l'action. On voit la fin de l'action. C'est ça le truc. En tout cas, faire l'amour le matin donne du tonus et la joie et la gaieté. Ah oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis fan. Moi, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouah. Je suis d'accord, ça m'est bien. Ah, tu marches là, tu ris, tu deviens bébête même en route. Même le fou t'énerve, tu dis que dis donc, pas avec ta malchance.
Je dis que go avec ta maquillage, tout ça, tu ne vas pas me voir. Maman, la façon qu'on m'a mis bien le matin, je vais venir stresser, c'est à cause de toi. Et je discute quoi avec toi? Tu minimises tout, tu dames, tu passes à autre chose. Eh, mes beauty, on a fait combien d'heures de direct là? On a fait combien de temps? Voilà, 1h37, c'est bon. J'avais dit que je ne veux plus trop durer en live quand je fais l'émission Parole aux Anonymes. Merci encore. Je pense qu'on a passé un bon moment. Si vous avez quelques questions à poser, je vous réponds et après je coupe le live. 1h37, ça me va parfaitement. Voilà. Bref, aucun foyer ne ressemble à aucun autre. Donc, les points de vue restent divergents. Exactement, ma tata. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les points de vue ne peuvent qu'être divergents. Mais la réalité, merci beaucoup Zazie, je vous remercie mon cœur. Mais la réalité, c'est que même quand toi, tu es dans une relation simple avec ton gars, prenons une petite fille, prenons une fille, une jeune fille de 18 ans par exemple, qui vient de rencontrer son premier grand amour. Tu vois, elle n'aura pas l'intention, sauf si c'est une personne que c'est dans ses gènes, elle a l'esprit de volage et tout, et tout, et tout. Mais elle est heureuse d'avoir son copain. Elle va se dire que la première fois où ils auront les problèmes, si le gars a déconné, c'est rare. Peut-être elle doit avoir, il y aura les petites tensions venant de la femme, mais la plupart des temps, dit que les hommes, on va revenir dessus. On va refaire un live sur les hommes. Les hommes, un homme, il te regarde comme ça, il drague ta copine devant toi. Il bolle avec elle et il ne se gêne pas. Les hommes, donc, il y a tellement de choses. On valorise nos hommes. La femme, quand la femme aime, elle valorise son homme. Quand la femme est épanouie dans sa relation, toi-même, tu vois son visage, elle sourit à tout bout de champ. Quand la femme est épanouie dans sa relation, elle n'a pas besoin d'efforts. Elle est bien. Ça se voit. Mais quand les problèmes commencent à s'installer, quand l'homme commence à déranger, quand tu regardes la femme, là, tu dis que, ouais, la mère, tu es obligée de rester dans le mariage, là. Donc, tu comprends que quand ça devient compliqué, ça devient compliqué. On ne dit pas que nous sommes parfaites. Mais, quand une gâte yamo, même si c'est la lune, elle peut aller chercher ça. Elle dit que même si c'est où, elle peut aller décrocher ça parce qu'elle veut la paix dans son couple. Elle ne veut pas que quelqu'un vienne déranger sa tête. Surtout quand son gars lui rend ça bien. Mais c'est le genre qu'elle va commencer à galérer. Ah, mon frère, dit que mon frère, recule-toi. Bon, merci les beauty. Je vous aime beaucoup. Je vais essayer d'appeler une de mes mamans beauty. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci à tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende au maximum. Merci Zazie, Jou, pour ton soutien. Vraiment, je ne sais même plus. Je n'ai pas de mots pour te dire merci, au fait. Tu vois un peu. Merci, Jamila. Merci, Garba. Merci, Carla. Vous avez participé dans ce live. Merci, Natacha. Merci, Sylviane Dolomulema. Merci, La Fortune. Je dis aussi merci à... Oh, comment je n'arrive pas? À Gladys, voilà. Merci, merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait ce soir. C'était magnifique. Oui, Carla, tu voulais encore parler, ma. Zazie Jou. Ah, oh, merci. Je suis à 930 étoiles. Mettez à 1000 étoiles, non, mes amours, s'il vous plaît. Mettez à 1000 étoiles, pardon, je pars. Maman, les étoiles ont ça. Hé, la gravité. C'est qui? C'est bon, Jésus. Mon habit m'a lâché. Oh. Mon habit m'a complètement. Hey, hey, Adama, on peut faire ça, Adama. Pardon, mettez-moi 1000 étoiles par. Hey, merci beaucoup. Merci, Carla, merci. Merci. Oui, le direct est arrivé, même on avait déjà beaucoup avancé. Mais bon, tu vas regarder un peu le début. On a trop rigolé ici aujourd'hui. Elle dit que maman, elle a fait de tout maïs. Maman, le goût de ça. Pardon.
Hey, faites-vous plaisir, la vie c'est un tout. Les gens daillent jusqu'à. Les gens meurent comme si ce n'est pas. Oh, en tout cas, oh, vous qui êtes en couple là, profitez. Oh. Profitez sur ce qu'il y a les gens qui sont les askers. Tu veux daille comme un ventre, ils vont se mettre du caramel. Il veut moi daille, qu'elles sont en train de grimper mon cocotier. C'est la partie là. Je te dis qu'elle a le goût de ça. Mais ça a un goût pas possible. Quoi? Oh. Le goût de ça. Oui, oui, très important. Il faut se mettre à l'aise. Regardez la jeune fille qui est morte là-bas en Côte d'Ivoire. Regardez comment les jeunes, les gens partent. On est là, on stresse pour rien. On se prend la tête pour rien. Alors que, maman, il y a les jouissances, il y a les mouvances, il y a les tourbillonnages, il y a les tampons, et les positions rocambolesques, roucacasses. Là, on se prend la tête. Dis donc, profite, ma Zazijou. Profite, essaye la machine à laver, tu me dis. Hein, Zazie? Essaye l'essorage, là, pendant l'essorage sur la machine à laver, tu vois, non? Tu essaies, tu viens me dire. Ah, la partie là, wow, wow, wow. Eh, mon Dangelosou, tu viens vers la fin du direct. Eh, Dangelosou, on pose la question à savoir, tu es plutôt du matin ou du soir? Tu aimes le petit déjeuner servi dans le lit le matin ou le soir? Ouais, maman, le goût de la nièce le matin, ça a un goût pas possible. Pardon, laissez ça. Faites. Maman, quand tu fais ça le matin, maman, tu pars au travail comme ça, tu as le sourire, comme ça, tu arrives. Ouh, la joie de ça. Oh, le goût de ça. Il y a quelqu'un qui veut monter dans le direct. Oh, mon Dangelo Black. Dangelo. Merci, merci, beautiful. Merci. Coucou, Dangelo Chou. Big up, la LBB, la black, beauty. Merci, mon chou. Comment vas-tu? Ça va. C'est quoi le sujet de l'émission? Nous, on disait pour ou contre la binda le matin, parce qu'il y a des gens qui disent que si c'est un peu compliqué pour eux le matin, il y a Zazie qui dit que le matin n'est pas trop du matin. Maintenant, je lui ai dit que non, il faut qu'elle profite. Qu'elle commence à apprendre à faire un peu le matin parce que c'est bon le matin. Chaque corps est différent. Chaque corps c'est sensible. Bon. Tu peux tomber sur des gens qui peuvent être d'humeur le matin et puis un autre matin, pas du tout. Le corps de la femme est cyclique. Bien que tous les mois, vous avez un cycle qui se produit. Vos organes génitaux. Ça entraîne aussi un cycle au niveau de la sensibilité, au niveau de la production de vos hormones, de votre équilibre hormonal. Donc, selon les périodes de ce cycle-là, vous n'avez pas les mêmes besoins. C'est à votre partenaire de savoir apprendre à vous connaître. Et inversement, un homme aussi a des sensibilités en fonction de son vécu, de son histoire et de son état d'esprit aussi, est-ce qu'il est curieux, pas curieux, est-ce que ce qui fait que vous aussi, mesdames, vous devez pouvoir prendre le temps d'apprendre à connaître vos partenaires. Et quand vous vous connaissez bien, je vous assure que même que ce soit le soir ou le matin, ça ne change rien. Le goût est le même. Finalement, dans l'acte sexuel, c'est deux esprits qui se rencontrent et qui se mélange, porte au paroxysme, l'intensité de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. C'est un acte hautement spirituel. Tout est une question d'état d'esprit. Lorsque vous aimez un homme et que un homme vous aime, peu importe l'heure, quand vous amourachez vraiment. Et durant cet instant, le monde et le temps s'arrêtent. Vous ne voyez plus le temps passer. Voilà.
C'est comme ça. C'est un là aussi la mort qui me dit, justement, que papa prend moi le plus. Même la mort, l'amour, c'est le remède de la mort. L'amour, c'est le remède de la mort. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque tu as eu une vie de galère, une vie vraiment de galère d'un point de vue, pas seulement matériel, mais d'un point de vue même familial, autre, etc. Souvent, quand tu regardes bien, c'est parce qu'elle a manqué d'amour, cette vie-là. Et oui. Je vous assure, l'amour, c'est le remède même de la dépression. Grave, c'est tout. Alors, il ne faut pas tomber dans un piège. Beaucoup de dépressifs, notamment, pas mal qui sont sur Internet, j'ai constaté, sans viser personne, ont tendance à rechercher l'amour, mais de la mauvaise manière. Yeah. L'amour soit la dépression, mais il ne faut pas aller chercher cet amour avant d'avoir commencé par une chose importante, qui est la confiance en soi-même, l'estime de soi. Tu ne peux pas avoir une mauvaise idée de toi-même, une mauvaise estime de toi, et prétendre donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas lui donner ce que tu n'as pas. C'est vrai. Donc, l'estime de soi commence par là. Donc, il y a beaucoup de dépressifs et de dépressives qui ont tendance à venir chercher l'amour sur Internet en n'ayant aucune estime pour leur propre personne. Et donc, en conséquence, cherchent cet amour-là de la mauvaise manière. Parce que ce n'est pas les followers, ce n'est pas les blogueurs qui vont te donner de l'amour, qui te manquent. C'est d'abord une introspection, voilà, de regagner confiance en toi et ensuite d'aller vers l'autre pour partager. Et c'est dans le partage qu'il y a l'amour. Voilà. Merci. Voilà ce que je peux dire. Les histoires de sexe, les histoires physiques, faire l'amour, se mélanger les corps, se niasse, comme on dit. Oui, oui. C'est éphémère, ça dure juste un instant. Mm-hmm. Après la niasse, il faut que l'amour perdure. Mm-hmm. Et pour que cette flamme continue de rester vive, après la niasse, il faut donc beaucoup d'autres choses. La niasse n'est qu'un ingrédient parmi tant d'autres. Mm-hmm. Et je vous assure que ce n'est pas le plus important, contrairement à ce que les gens en croient. Encore une fois, ceux qui pensent que la niasse sont le plus important, c'est une forme de fuite en avant. C'est des gens, en fait, qui au lieu d'aller au fond de la chose, essayer d'avoir le courage d'aimer vraiment. Ils préfèrent se camper dans des formes de considération superficielle. J'aime cette fille-là parce qu'elle a un beau derrière, parce qu'elle est belle, elle est intelligente, machin, ok. Bon, si on lui enlève ce derrière-là, est-ce que tu ne l'aimes plus? C'est ça. Oui, donc c'est une forme de fuite en avant. C'est comme ces hommes-là, dès que tu prends le poids, ils te disent « Chérie, tu as trop grossi. Si tu ne maigris pas, je divorce. » Ça, c'est pas aimé, ça. Voilà. C'est des personnes qui se limitent à des choses superficielles pour faire semblant d'aimer, pour essayer d'être un peu comme tout le monde dans la société. Yeah. Mais qui, au fond, ne sont pas dans une véritable démarche d'amour. Une démarche profonde. Pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est très important ce que je dis. Tu ne peux pas te détester et aimer les autres. That's it. C'est voilà. C'est pour ça que je suis devenue motivatrice des beauty. Ah oui, oui. Pour aimer, il faut s'aimer soi-même. Il faut avoir une bonne estime de soi. Ce n'est que par là qu'ensuite tu peux prétendre apporter aux autres cet amour que tu as en abondance pour toi-même et pour la vie que tu as. Donc, voilà ce que je peux dire. Le corps maintenant, le matin, le soir, une fois que ces ingrédients sont réunis, en réalité, que nous soyons dans une période de la journée où le soleil est couché, ou que nous soyons dans une période de la journée où il se lève, peu importe, quand ces ingrédients sont réunis, l'acte sexuel est savoureux. Grave. Le goût voilà. De ça. Même souvent, même parfois, même sur le mot au téléphone, vous pouvez. Le goût de ça. La niasse, on dit ça. Quand vous passez voir les niasses WhatsApp, vous croyez que c'est pourquoi? Parce que les gens, c'est yacht. En fait, la niasse WhatsApp dont on parle vulgairement, ça a existé depuis la nuit des temps. Mm-hmm. Depuis qu'il y a des sites de rencontres. Souvent, les personnes qui s'aiment à distance ont besoin de réchauffer cet amour-là. Et peuvent être amenés
avoir pas des rapports, c'est pas des rapports, c'est des mots gentils, des mots doux, se chauffer, comme on dit, via le téléphone. Ça, ça a toujours existé. Et c'est ce qu'on appelle en langage scientifique la parade nuptiale. C'est quelque chose de très naturel, même les animaux le font. Il n'y a que les incultes pour penser que cette histoire est ridicule. Non. Avant de rencontrer quelqu'un, il y a toujours un moment de désir, un moment d'échange, un moment où vous chauffez mutuellement, petit à petit, jusqu'à ce que le sujet arrive. Et lorsque le sujet arrive et que vous passez au développement, et bien là, vous passez un moment d'extase. Parce que vous avez pris le temps, vous avez pris le temps de préparer ce moment-là, psychologiquement. Ouais. Ça s'appelle une parade nuptiale. Voilà. Vas-y, je vous dis qu'elle préfère le corps à corps. Ma gars, ça arrive, elle dit que vous deux, si, ça va se savoir. Nous sommes juste... Vous savez, Meta, c'est le lieu où tout le monde connaît la vie privée de tout le monde sans connaître tout le monde. C'est ça. On ne sait pas. Chacun a quelque chose à dire sur la vie privée de l'autre. Chacun s'intéresse à la vie privée. Nous sommes dans le monde du Congo. C'est ça qu'il s'agit. Nous savons avoir raison d'aller dans ce genre de milieu. Toujours se dit que faire attention aux versions qui te disent, aux versions qui circulent. Parfois, tu restes là, on te dit que tel a telle maladie, tel a ceci, tu restes comme ça, tu te dis que mince. Est-ce que la personne est amie avec le docteur de famille de cette personne-là pour savoir jusqu'à son dossier médical? C'est ça, Meta. Donc, quand deux personnes s'apprécient sur ce réseau social, il va toujours avoir des gens pour essayer de saboter. Jamais bien vu, en fait. Finalement, on préfère les guerres, on préfère les clashs. On n'aime pas les gens qui s'apprécient. S'ils s'apprécient, c'est qu'il y a forcément quelque chose. C'est comme ça. C'est... Et ça dénote d'un manque d'estime de soi. Nous sommes suffisamment mal dans notre peau pour ne pas s'imaginer être des personnes qui peuvent s'apprécier sans intérêt, qui peuvent avoir une bonne entente, grâce sans forcément se connaître personnellement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est comme quand tu te retrouves sur Facebook avec des gens, vous formez un groupe, vous êtes ensemble. Et puis, petit à petit, découvre un peu qui tu es sans complètement te découvrir. Et ils ont souvent un réflexe de se dire, mais s'il est vraiment ce qu'on pense qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Parce que tu vois, ce genre de réflexe, c'est un manque d'estime de toi. Un manque d'estime de soi. Exactement. Vous pensez que Bill Gates, qui est le plus riche du monde, n'a que dans son entourage des gens extrêmement riches? Vous pensez que dans la famille de Bill Gates, il n'y a pas de gens qui sont des personnes normales, avec des revenus complètement normaux, et que ces personnes-là se retrouvent en réunion de famille ou bien pendant le repas de Noël, ils se retrouvent, vous pensez qu'ils ne se retrouvent pas avec des cousins, des machins, qui, eux, ont une vie tout à fait normale, alors qu'ils sont les cousins de l'homme le plus riche du monde? Attention, attention les amis. On est vraiment mélangés. Et souvent, vous passez à côté de belles relations parce que vous êtes toujours dans la paranoïa, toujours en train de vous poser mille et une questions. Alors que la vie est simple, il faut simplement la laisser couler et vivre comme elle vient. Et là, exactement. Simplement, voilà. Et si tu as la foi en la providence, pour ne pas dire foi en Dieu, puisque chacun a sa croyance, eh bien, la providence te mènera là où elle doit te mener. Tu traceras ton sillon, tu traceras ton chemin, ton destin, et l'histoire s'écrira après, pas avant. Soumetta, vous avez tendance à vouloir écrire les histoires avant qu'elles ne se réalisent. Ça, parfois, il faut se taire et observer, et l'histoire s'écrira. Waouh, quel beau discours. Que dire de plus, ça? Donc, Julo, il a fait un résumé, hein, il a fait un résumé parfait de la situation, de ce débat. Et après, ce qu'on va dire, c'est aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vous cachez pas de votre compagnon ou de votre compagne. Vivez l'amour, tout simplement. Et faites l'amour quand il le faut, parce que c'est nécessaire. C'est bon pour le moral, ça détend le corps, ça détend l'âme. Donc, il n'y a pas de raison à ne pas se mettre bien quand on se sent bien avec quelqu'un. Donc, tout a été dit. Tout à fait. D'ailleurs, j'encourage les gens à ne pas avoir peur de s'aimer sur les réseaux sociaux.
je trouve que c'est mieux que les clashs. Imaginez un seul instant, face à tout ce spectacle que vous vivez tous les jours, que ça devienne une forme de télé-réalité où les gens s'aiment, les gens se séparent, d'autres se mettent avec d'autres. Vous voyez pas que ce serait plus sympa que d'être dans les clashs où les gens se font du mal, vont chercher les mamans, les enfants, vont chercher la vie privée. Et même quand cette vie privée, là, ils la connaissent, ils viennent quand même mentir et essayer de donner une autre vie, une fausse version. Nous sommes le peuple dans le monde entier, je ne dirais pas le plus martyrisé, mais le plus en retard. On est en retard. Et en bon retardataire que nous sommes, je pense qu'on a besoin d'être unis, d'être soudés, d'être positif en fait, de nous se donner un état d'esprit suffisamment positif pour rattraper ce retard. Mais oui, non, non, on parlait de l'amour ce soir, du sexe. Ben oui, il faut faire l'amour, c'est ça qui est le sujet. C'est très important, il faut faire. Oui, parce que tout est lié. Alors. Et donc, ce retard qu'on doit rattraper passe par l'amour. Si on ne s'aime pas, comment vous voulez qu'on rattrape notre retard face aux autres? Question. Parce que vous dites le sujet de ce soir, moi je suis un élargisseur de sujet. Moi ça fait une heure de tape. J'étais tagué ici depuis, ça fait 2 heures. Moi je ne suis pas là pour faire les discussions de cuisine. Il faut, dans un sujet qui est un sujet certes banal, pouvoir parfois la profiter. J'étais une heure en train de dire, j'étais tagué, fatigué. Parfois il faut toujours approfondir un petit peu parce que dans les discussions de cuisine, vous avez quand même moyen d'approfondir. C'est doux, oui, très doux même. Ça peut apporter. Ça peut apporter à certains qui nous écoutent. Et bien sûr. Ils s'en fichent, bon, ben, ils s'en fichent. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce déficit d'amour chez nous, les Noirs, je pense qu'il est la cause aussi de notre retard. Nous sommes très divisés. Donc oui, faisons l'amour le matin, faisons l'amour le soir, faisons l'amour à midi. What else, peu importe. Mais, une fois qu'on a fini de faire l'amour, n'allons pas sur Facebook insulter. N'allons pas sur Facebook clasher. Donnons également de l'amour aux autres sur Facebook. Donnons également de l'amour aux collègues. L'amour est fondamental. Si on n'a pas cet état d'esprit positif, on n'évoluera pas. Moi, le fait d'avoir... Est-ce que tu peux changer tout le monde? Aussi ça, longtemps dans un pays qui n'est pas le pays où je suis né au Cameroun à Yaoundé, d'être venu jeune ici, d'avoir vécu dans un autre pays, d'avoir croisé d'autres cultures, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. J'ai compris que les autres ne sont pas devant parce qu'ils sont meilleurs que nous, de manière absolue. On n'a pas été maudits. Ou bien on n'est pas né avec des qualités ou des capacités inférieures. C'est simplement qu'ils ont un état d'esprit qui est différent du nôtre. Et si on n'a pas encore compris que l'amour est au cœur. Je prends un exemple, on est en France. Comment tu vas mettre en place un système d'aide sociale pour les femmes, les enfants, si tu n'as pas un minimum d'amour dans ton état d'esprit? Alors que dans le Cameroun, une femme et un enfant se retrouvent à un hôpital, il n'a pas d'argent pour se soigner. Il va mourir là, sur la route. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Donc, même notre système dans ses règles dénote d'un manque d'amour. Donc, l'amour au cœur de tout. Aimons-nous vivants. Bravo. Les uns les autres et les uns sur les autres. Alléluia! Le pasteur. Il a conclu. Le pasteur d'Angelo a parlé. J'ai conclu. Ah oui, l'amour est doux, maman. Franchement, quand les gens meurent comme ça, là, et que tu dis que, yeah, voilà, un gars là qui est go comme ça, là, alors qu'il y avait un dû derrière qui nia ça, ou même que qui cherchait à nia ça, je dis que, elle est partie à la nourriture. Les gens, quand les gars viennent au deuil, ils pleurent que la choc, mon frère. Ils ne pleurent même pas l'angara, ils pleurent que le matos qui est go. Aïe. Non, pardon. Mettez-vous bien quand vous pouvez. Hein. C'est tout ce qu'on a de... Ça fait partie d'un des moyens les plus déstressants qui puissent exister. Ouais. Franchement, il faut le dire. Je suis toujours dans ton live ou pas? Oui. Ah, oui. Ah d'accord, parce que ça a glissé. Non. Ok. Là.
Bon, je te laisse conclure avec les beauty que je salue. Merci beaucoup de ton intervention dans Jolo Show. Et puis, je te souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Merci pareillement, merci. Ciao, bye bye. Bye. Donc voilà, niaçons-nous vivants, serrons-nous vivants, aimons-nous vivants, donnons-nous de l'amour vivant, essayons d'être naturellement humbles vivants, sociables vivants. Tous ces termes-là, tout ça fait partie, ce sont des mots qui font partie de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on peut désirer de plus que de s'aimer? Oh, merci Zazijou. Hé, Zazijou, me gâte ce soir les étoiles. Oh, ma Crésus. Oh, ma Crésus. Merci, oh, merci, merci, merci pour les étoiles. Oh. Aimons-nous vivants, c'est très important. L'amour est l'amour. Mais, parce qu'il y a l'amour amical, l'amour familial, l'amour filial. L'amour un genre. Mais là, nous sommes en train vraiment de parler de l'amour entre l'échange des esprits, l'échange du corps, le touchement, les positions, tout ce qui va avec. Donc vraiment, il faut le faire. Et oui, beauty, c'est vendredi, tout est permis. Et comme on dit, tout est permis et tout aussi a une fin. Il est temps que la blague beauty arrête son direct. Voilà, merci à tous ceux qui ont été dans ce live. Notre émission Parole aux Anonymes, c'est ça. C'est la bonne humeur, c'est l'ambiance, c'est l'échange, c'est les conseils. Voilà. Voilà le titre pour ton émission. Vendredi, tout est permis. Vendredi soir, tout est permis. Oui, je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas. Ce soir, ça va chauffer. Ah, Zazijou, il faut que ça chauffe. Hein. Il faut que ça chauffe. Parce que moi, il faut que tu viennes me dire que Black, hey, ma Black à moi, maman, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté. Vendredi soir, c'est du Non, ben merci vraiment. Vous êtes adorables. Je vous remercie, Beauty. Candy, merci. C'est très gentil de votre présence. Merci, ma grâce à la déesse. Tu es arrivée vers la fin de notre live. Mais je suppose que tu me suivais quand même. Et je veux dire un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui partagent mes directs, qui m'accompagnent et qui n'hésitent pas à... Oui, mais il faut prendre un tout petit peu, pas beaucoup. Si tu as un tout, tu vas sur YouTube, tu regardes comment on fait, comment on utilise encore. Doucement, oh. Hey. Oh, Adon Toko, on ne peut pas aller faire n'importe quoi. Oh. Ne fais pas comme Gladys a dit. Elle a fait, c'était ça, chauffer le truc de ce qu'il était en train de souffler dessus. Donc, attention. Chouya, chouya. Bisous, ma grande soeur d'amour. Peut-être va aller sur TikTok. Peut-être je vais lancer un live sur TikTok. Peut-être. Abonnez-vous sur ma page TikTok. C'est la Black Beauty aussi sur TikTok. Ou la Black, @ la Black 33. C'est ma page. De toutes les façons, je pense que j'ai partagé le lien une fois sur ma page. Abonnez-vous aussi là-bas, s'il vous plaît. Comme ça, de temps en temps, on fait nos lives là-bas. Vous voyez, normalement, si j'avais deux téléphones, trois, c'est vrai, j'ai deux téléphones, j'aurais pu lancer le live ici et lancer sur TikTok. Comme ça, ils auront interagir sur les deux panels. Mais ce n'est pas grave. Je vous aime, je vous embrasse et surtout, soyez amour avec vous-même et avec vos proches. Bye-bye. Black Beauty, présentatrice de l'émission Parole aux Anonymes. Oh oui, c'est ça qui est ça. Parole aux Anonymes. Mmh. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, ma grande. Ciao.